Et ça, c'est ta manière là. Grâce à deux mamans, deux femmes sur ta toi, ils m'ont donné ça avec cadeau. Je peux que m'en réjouir. Parce que quand je ne fais pas les dire, tu vas chercher dans ma vie, je suis ta star. Tu pars, tu entres dans ma vie, tu vas chercher ma vie. Je suis ta star, tu viens déposer au grand jour. Le père de Marie Oran n'est plus pakistanais. Il n'est plus syrien. Regardez-moi la honte sur eux. Regardez-moi aujourd'hui. Heureusement que Nicole Kétia a dit la vérité. Heureusement que Nicole Kétia a dit la vérité. Oh, je suis content. Le père de Marie Oran n'est plus syrien. Il n'est plus pakistanais. Oh, Nicole Kétia. La bonsaïeuse. Je n'ai pas fait l'enfant avec n'importe qui, j'ai fait l'enfant avec un Italien. Il voulait toujours dire la vérité. La vérité est sortie au grand jour. Je suis contente. Je suis contente. Ouais, vraiment de Dieu, Nicole Kétia. Nicole Kétia, tu es qui, maman? Où bi où? Jusqu'à les gens partent chercher dans ma belle famille. Pour savoir. Tu peux chercher, tu es même tellement bête. Alors que c'est vous-même qui avez dit que Nicole Kétia a fait l'enfant avec un Syrien. Nicole Kétia a fait l'enfant avec un Pakistanais au désert. Aujourd'hui, c'est, aujourd'hui, avait été sorti au grand jour que Nicole Kétia a fait l'enfant en Italie. Son père est italien. Mais, tu dis que l'enfant est italien. Elle serait italienne quand elle aurait 18 ans. Tu es bête ou quoi? Tu viens en Europe. Quand tu fais l'enfant avec un Italien, l'enfant est italien. Tu comprends? Tu comprends avec quoi? Tu es parti en commission. Moi, Nicole Kétia, je n'ai pas fait la commission pour demander l'asile. Je ne suis pas dans l'asile. Je suis mère d'un enfant italien. Je suis protégée par l'État italien. Je suis mère d'un enfant italien. Tu as compris? J'ai tous mes documents du mariage. Parle de ma vie. Demande ma vie. J'ai mes documents de mariage. J'ai tous mes documents de mariage. Si je veux épouser le père de Marie au roi, on part se marier. Je ne suis pas comme vous. Hein. Je ne suis pas comme vous. Hein. Renseigne-toi encore. Va encore enfoncer dans ma belle famille. On va te dire, ma chérie. Je te donne le test. Je suis content. Quand aujourd'hui, c'est sorti au grand jour que Nicole Kétia a fait l'enfant en Italie. Nicole Kétia, parce que vous avez sali mon boza. Vous avez sali mon boza. Vous avez dit que vous avez menti sur mon boza que j'ai fait l'enfant dans le désert. J'ai porté l'enfant avec un Syrien. Alors que j'ai porté l'enfant. J'ai fait la fierté du Boza parce que Dieu me l'a donné. Je suis entré en Italie en 2018, ma chérie. J'ai rencontré le père de Marie en juin 2018. Et j'ai porté Marie Aurora en 2019. Regarde la gloire que le Seigneur m'a donnée. Tu as vu? Mais vous avez sali cette gloire en voulant me salir sur la toile. En voulant me salir sur la toile. Mais aujourd'hui, la vérité est sortie. Je ne peux qu'être fière de moi, en fait. Je ne peux qu'être fière de moi parce que la vérité est sortie, enfin, que j'ai fait mon enfant avec un Italien, parce que j'avais sali mon enfant. Attends, oh, oh, je n'ai pas prononcé ton nom. Quitte vite dans mon direct. Tu comprends? Attends-moi chez toi. Je n'ai pas prononcé ton nom. Quitte vite dans mon direct. Attends-moi. Ton direct, je prépare la semaine prochaine. C'est pas ton direct ici. Ne viens pas me distraire. Je ne peux pas ton dire la semaine prochaine. Je ne montre pas le passeport français. Je ne montre pas. Tu comprends? Je ne montre pas. Oh, ma fille. Donc, un enfant italien. Elle aura la nationalité qu'elle aurait 18 ans. Où ça, ma chérie? Dans quel pays? Dans quel gouvernement? Où? Où ça? Je monte, je vais faire le passeport de Marie, elle pas au Cameroun. Dans où ça? Hein? Même avec la carte d'identité de Marie, elle voyage avec. Tu sais pas qu'avec la carte d'identité, avec la carte d'identité européenne, tu vois dans tous les pays européens. Tu es bête ou quoi? Je suis contente parce qu'aujourd'hui, la vérité a triomphé. Que ma fille, son père est italien. Tu comprends? Cherche ta part. Mon beau-frère que tu as appelé son nom là, il n'est pas marié. Il n'a pas d'enfant. Si tu es une bonne personne, si tu es une bonne femme, convaincre-le, tu fais l'enfant avec lui. Tu vas gagner. Je ne suis pas avare, ma chérie. Grâce à moi, tu auras un Italien. Il n'est pas marié. Hein? Il n'est pas marié. Je ne montre rien, ne te dérange pas. Mon beau-frère n'est pas marié. C'est l'oncle de mon mari, de père de Marie Aurora. Il n'est pas marié.
Il n'a pas d'enfant. Si tu es une fille intelligente, va t'aventurer avec lui. Tu peux gagner. Mais comme tu n'es pas son style, tu n'es pas... Je suis contente, en fait, tu vois, un peu, non? Je suis contente. Bravo. Comme tu es venu dévoiler la vérité au grand jour, je suis contente pour ça. Enfin, on saura que ma fille est italienne. Parce qu'on m'a trop saboté sur la toile. Hein? Voilà. Je ne te donne même pas les petits vues. Parce que tu ne mérites pas ces vues-là. Vous voulez entrer dans la vie de Nicole Ketcha? Nicole Ketcha est dans la rue. J'aimerais dire à cette femme, toi, la soeur de Major, tu es la cousine de Major. Je vais pas, tu es la cousine de Major. Major, c'est mon ami du quartier. Je ne te dois rien. Quand je serai en France en juillet, hein, j'ai juste mon grand-père qui est mort. Tu es la cousine de Major. Quand je serai en France en juillet, je vais appeler Major. On va t'appeler. C'est que moi, je vais te faire. Je ne te dois rien. Tu ne me connais pas. Ma vie, tu ne connais pas ma vie. Mon grand-père était dans votre quartier. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à mes efforts personnels. Si je suis ce que je suis aussi aujourd'hui, c'est grâce à mes efforts personnels. Tu comprends avec quoi? Je ne te dois rien. Tu as vécu en Ben, tu as pris le vol. Moi, je suis une bosailleuse. Je suis revenue, je suis venue en Europe. J'ai eu mon enfant italien. Tu m'as tendu la main en tant que ma soi-disant grande soeur. Je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Je connais que ma Sonjou. Je ne te connais, mais sors dans ma vie, putain de merde. Je te dois quoi, ma chérie? Sors dans ma vie, putain de merde. Parce que je soutiens cette saleté de pipi. Sortez dans ma vie. Vous avez dit que ma mère vit chez la cousine. Je ne sais pas si c'est la cousine de pipi. Ma mère paie le loyer. Ma mère fait de sa vie ce qu'elle veut. Je n'ai rien à foutre. Ma mère paie de sa vie ce qu'elle veut. Je n'ai rien à foutre. De casser, donne l'argent à ma mère. Tu ne sais pas où ma mère vit. Ma mère paie le loyer. Elle ne vit pas gratuit chez les gens. Je donne ce qu'elle peut donner à ma mère. Sors de ma vie, putain de merde. Toi, la cousine de Major. Je te bloque. Voilà, bande à fou. Toi, la cousine de Major. Sors dans ma putain de vie. Je ne te dois rien. Oh, Nicole, oui, viens. J'étais une grande coiffeuse. J'étais une très grande coiffeuse. J'ai travaillé à Bonapiso. Heureusement que tu es venu me valider. Quand j'ai parlé avec Nicole Ketchama, je n'ai jamais menti dans ma vie. Jamais menti dans ma vie. J'ai travaillé à Bonapiso, Bonanjo, dans les grands instituts de beauté. Même ramasser 100 francs, même le bic, je n'ai pas pris. Madame Bilon, vous voulez dire que Madame Bilon, elle est à Bonapiso, elle me connaît ma patronne. Je suis parti chez elle sans taper le dicalo. Et il n'y a pas plus grande coiffeuse comme moi. Je travaille à la perfection. Et la simplicité, c'est moi. Je suis tellement humble. Mais quand tu grattes mon pied, pour moi, même si je suis à l'or du monde, on ne s'attaque pas à ma famille. Va demander à Madame Blanc pourquoi je suis quittée chez elle. Parce qu'elle s'est moquée de ma famille. Même si ma famille est pauvre. C'est pour ça que je suis signe sur toi. Poupi, pipi, tu vas te rallier dans les lives pour m'insulter, pipi. J'ai dit que pipi, pipi. Pipi, ton direct, elle est fait sur toi. Attends que j'arrive. Je t'attends que j'arrive. Pipi, tu vas entrer dans les directs pour me combattre. Moi, une petite fille comme moi, je vais te presser. Tu n'as même pas honte, pipi. Donc, tu as peur de moi? Qu'on parle de moi, tu entres dans les directs pour m'insulter, pipi. Pipi, 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 tu as menti sur Papa Fodia. J'arrive sur toi la semaine prochaine. Je te prépare un direct que tu vas regretter. Le nom de ton vrai père, je vais mettre dans mes tas. Le nom de ton vrai père, pipi. Le nom de ton vrai père, je vais mettre dans mes tas. Le nom de ton père, de ton père qui t'a mis au monde. Les Camerounais vont savoir. Je vais finir avec ta race. Pipi, moi, j'ai fait l'enfant avec un Italien. Au moins, c'est moi. Toi, 13 ans de mariage, tu as apporté quoi, Papa Fodia? Tu as appris quoi? Les gens disent que le père et mari aura. Même si pas sa fille est là, il me paie la maison. Je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas comme vous.
Je ne suis pas comme vous. Vous comprenez? Je ne suis pas comme vous, vous êtes tellement bête. Donc, pipi, ça ne sert à rien d'aller dans les lèvres pour dire que le karma. Je n'ai jamais le karma. Je ne prouve, je n'ai rien à prouver à personne. Vous êtes tellement bête, je n'ai rien à prouver à personne. Vous avez compris quoi? Oh, Nicole, qu'est-ce que tu allais plus là? Oh, Nicole, le père de ma fille, même si Aurélie ne sait pas avec le père de Marie Aurora, j'ai quand même quelque chose sur moi. Ma fille est là, mon Carole est là, maman, son père paye, il paye la maison. Oh, ah. Mais il n'y a pouvoir à personne. Maman, les gens, vous entrez même dans ma vie privée, maman. Vous entrez dans ma vie privée. Hein? Au moins, si moi, je te donnais un blanc gratuit. Tu es entré dans ma belle famille. Oh, heureusement que tu venais dire que non, Nicole, que tu as vraiment. Elle est ton mari, c'est Léandrini. Hum? Heureusement que tu dis que son mari, c'est Léandrini. Mon mari, c'est Léandrini. Le nom d'un Italien. Vous avez saboté l'homme de Dieu sur la toile. Je suis enfin contente que la vérité a triomphé, que j'ai fait l'enfant avec un Italien. Ma fille est italienne. Faites pour vous, on voit. Et faire l'enfant avec un Italien, ce n'est pas facile, hein. Faire l'enfant avec un Italien, ce n'est pas facile. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Hein? Vous avez compris? Maman. Donc faites pour vous. Pourquoi on a vu ça, non? Si. Et si, à mon rein. Je comprends, l'autre, elle dit qu'elle va dire à son. À, elle va dire au père de Marie Aura qu'elle veut fuir avec l'enfant. Vraiment, tu es bête ou quoi? Tu es bête ou quoi, ma chérie? Méfie-toi, hein? Prends garde, l'Italie n'est pas la France, hein? L'Italie n'est pas la France. Prends tes gars, j'ai la vidéo. Si tu peux finir avec ta vie, finir avec ta vie. Parce que tu as menti sur moi. Prends garde, l'Italie n'est pas la France. Prends tes gardes. Je ne blague pas avec mon enfant. Ma fille, je l'ai fait ça. Ma fille, j'ai souffert avec ma fille. J'ai souffert pour avoir cet enfant dans mon ventre. J'ai laissé le papier, j'ai laissé le mariage pour garder mon enfant, pour ne pas m'agiter dans le mariage. Je te dois rien. Cherche ta stamane, cherche ta visibilité tranquille. Je serai sur pipi demain après-demain. Je serai sur elle. Tu comprends avec quoi? Hein? Vois-moi les gens, mon frère. Je ne veux pas. Je n'arrive même pas. Vois-moi les gens. Tu parles un truc qui n'est même pas clair. Hein? Oh Nicole, elle allait mentir à la police. Elle a tapé son. Le père et son enfant l'a tapé. Oh, c'est si. Même si j'ai menti, quel est le problème avec toi? C'est le clochard qu'on connaît ici en Italie. Mais c'est le clochard que vous connaissez. Mais tu es parti entrer dans la vie du clochard, non? Elle dit que quoi? C'est le clochard que vous connaissez, mais tu es parti entrer dans la vie du clochard. Heureusement, c'est un clochard italien. Quand vous dites, mais et pour vous le clochard italien. Et pour vous le clochard italien. C'est le clochard que vous connaissez, mais vous êtes parti entrer dans la vie du clochard. Pour qu'on ait manqué le cochon. Le plus de qu'il n'est plus syrien. Il n'est plus pakistanais. Hein? Hein? Il n'est plus syrien, il n'est plus pakistanais, maman. Il n'est plus syrien, il n'est plus pakistanais. Non, il n'est plus syrien. C'est plus pakistanais. Hein? Maintenant, c'est un clochard maintenant. Montre les caroles de ton enfant. Je ne montre pas. Tu veux filmer? Hein? Tu veux filmer? Quand tu fais l'enfant avec un Italien, avec un Européen, l'enfant italien, non? Devant encore te renseigner. Mais c'est un célèbre clochard. vous de clochard, vous t'as pas le clochard, ma chérie. T'as pas le clochard. Même moi, au moins, si moi j'ai le clochard, t'as pas le clochard où? T'as pas le clochard où? Jusque, je vais faire va te prendre l'enfant. Regarde-moi la sorcellerie. Donc, tu vas faire me prendre Marie Aura. Hein, maman? Tu vas faire me prendre l'enfant. Donc, tu m'envies tellement que tu entres dans ma vie, maman. Ma vie, je suis plus là, je suis plus Isaac, je suis plus sale. Donc tu as envie la vie de Isaac comme ça, tu entres dans la vie de Isaac. Donc Nicole, que tu es, donc je suis tellement sale que tu as envie ma putain de vie, tu as envie ma petite vie jusqu'à. Je suis chez les, oui je suis à la DAS, je suis au foyer, c'est pas la maison, ce n'est pas la maison. Hmm? Toi que tu vis dans la maison, tu me dépasses avec quoi? Je suis dans le foyer, ce n'est pas la maison. Je t'ai dit. Tiens tes gardes. Faites vos choses. Ne menez plus mon enfant dedans. Parce que ma fille, j'ai souffert pour l'avoir.